Bonjour, donc aujourd'hui j'ai reçu ce jump car, donc je vais vous montrer en quoi ça consiste. Hop. Alors il y a deux pastilles, bah, pour comme quoi c'est vous le premier à l'ouvrir. Hein. Voilà, hop. Donc il arrive dans une petite boîte, donc emballé, prêt à prendre des chocs au cas où. Donc, fermeture éclair. Donc voilà, comment c'est fait à l'intérieur. Donc vous avez la partie du haut où tout est rangé, tous les accessoires sont rangés. Alors nous avons hop, les deux pinces qui vont nous servir à démarrer le véhicule. La prise allume-cigare pour recharger l'appareil quand vous êtes dans la voiture. Ça, c'est un câble d'alimentation. Nous avons la prise pour charger au secteur. Nous avons un USB de sortie avec différents câbles, donc USB-C, micro-USB et iPhone. Et nous avons cette sortie-là avec différents embouts pour adapter n'importe quoi dessus. L'appareil en lui-même. Le voilà, donc il n'est pas très lourd déjà. Il est assez long, comme vous pouvez le voir. Il mesure une vingtaine de centimètres en métal. Sur le côté là, nous avons une LED. Je vais regarder s'il y a un peu de courant dedans. Alors, le bouton de, sur le côté, déjà nous avons une sortie, deux sorties. Une sortie en 12 volts 10 ampères et une sortie en 19 volts 3 ampères. Nous avons le petit bouton pour la mise en marche. Donc on voit que dedans actuellement il y a 3 barres de charge sur 4. Si je reste appuyé, hop, j'ai la lumière. Deuxième position, les pompes signalées. Et troisième aussi pareil. Ici nous avons hop, la prise pour brancher le jump car, du moins les pinces pour le véhicule. Donc il suffit de le mettre comme ceci. Voilà, et vous êtes prêt à démarrer un véhicule avec. Donc écoutez, je vais vous démarrer un véhicule avec et vous allez voir. Donc là, nous avons une Saxo diesel où il n'y a même pas de batterie dedans. Donc j'ai pris mon jump car que j'ai allumé. Donc branché là-haut. Hop, je mets le fil rouge sur le plus. Le fil noir, bah, sur le moins. Voilà. Je clique sur boost pour le mettre en marche. Je pose l'appareil ici et vous allez voir, je vais réussir à démarrer le véhicule sans même avoir de batterie. Pu voir, il n'y a pas de batterie du tout, c'est uniquement le jump car qui m'a servi à démarrer le véhicule. Voilà, allez, au revoir.